La mort du roi Tonnerre affaiblit les Mogus, mais leur civilisation continua à régner sur le Val. Les esclaves de l'Empire souffrirent considérablement sous les ordres des barbares successeurs de Lichen. Chaque dirigeant semblait plus cruel que son prédécesseur. Le dernier empereur Mogu, Lao Fei, gagna rapidement le surnom du lieur d'esclaves après son accession au pouvoir. Il vivait dans la décadence, convaincu que son approvisionnement en esclaves dociles ne faiblirait jamais. Pour s'assurer de leur pleine soumission, Lao Fei démantelait les familles d'esclaves en punition des transgressions les plus mineures. Les parents étaient séparés, les enfants envoyés à l'échine du serpent pour servir de chair à canon face aux essaims mantides. Ce sort s'abattit sur la famille d'un maître brasseur pandaren nommé Kang. Son fils fut envoyé aux mantides, et sa femme mourut en essayant d'empêcher son départ. Quand les Mogus eurent laissé sa demeure et sa vie en ruine, Kang faillit succomber au désespoir. Mais ses pensées ne tardèrent pas à se concentrer sur une question bien précise. Pourquoi ? Pourquoi les Mogus leur infligeaient-ils une telle souffrance ? Kang médita sur la servitude de son peuple, et il parvint à une conclusion radicale. L'extrême cruauté des Mogus envers leurs esclaves n'était pas un signe de force, mais un symptôme de leur faiblesse. Ils étaient devenus dépendants de leurs serviteurs. Sans eux, ils n'étaient rien. Kang décida à consacrer sa vie à révéler la vulnérabilité des Mogus. Mis à part ceux qui étaient envoyés défendre l'échine du serpent, aucun esclave n'était autorisé à toucher à une arme. C'était un crime punissable de mort. Kang découvrit comment se servir de son propre corps comme arme, afin d'échapper aux yeux toujours vigilants des Mogus. Il apprit à travestir ses attaques en une danse artistique. Quand il acquit finalement la maîtrise de ses techniques, il mit ses compagnons esclaves au défi de le frapper. Aucun n'y parvint. Sa danse, faite de mouvements fluides, lui permettait d'esquiver le danger. Les esclaves supplièrent Kang de leur apprendre comment se battre sans armes. Kang s'exécuta. Et la rumeur de cette étrange nouvelle méthode de combat se répandit rapidement parmi les peuples opprimés de l'Empire Mogu. Des centaines d'esclaves adoptèrent les enseignements de Kang et se plongèrent dans l'apprentissage de cet art inédit, connu par la suite comme la voie du moine. Quand des rumeurs de ce mouvement parvinrent aux oreilles des Mogus, Kang déplaça ses apprentis au sommet de Kunlai, parfaitement conscient qu'ils n'étaient pas encore assez forts pour renverser leurs opposants. En secret, les rebelles pandaren bâtirent un monastère au sein d'un pic battu par les vents et poursuivirent leur entraînement pour devenir les instruments de justice. Ce fut au sommet de Kunlai que Kang découvrit une chose à laquelle il ne s'attendait absolument pas. La prison de Xuan, le tigre blanc. Kang communia souvent avec les astres vénérables, apprenant les secrets de la force intérieure qui réside en chaque cœur. Le maître pandaren transmit la sagesse de Xuan à ses partisans. Finalement, les moines pandaren furent prêts à se battre. La première victoire majeure eut lieu au caveau de Mogushan, les chambres sacrées où se trouvait le moteur de Nalakshar. Les rebelles parvinrent à écarter les Mogus de la relique qui leur permettait de façonner la chair. L'attaque dévastatrice des pandaren empêcha les Mogus de créer de nouveaux soldats dénaturés. Cette seule victoire eut pour effet non seulement d'encourager les pandaren, mais aussi d'attirer de nouvelles races vers la rébellion. Les Ozen, les Jinyo, les Grumelots et une race robuste de créatures bovines, les Yongol, se joignirent aux efforts des pandaren pour renverser l'Empire Mogu. Petit à petit, la révolution prit de l'ampleur. Kang avait raison, les Mogu étaient trop reposés sur leurs esclaves, et à mesure que ceux-ci se rebellaient, l'Empire s'enfonçait dans le chaos. Les Grumelots, maîtres de la communication et du commerce, perturbèrent les lignes d'approvisionnement des Mogus. Les puissants Yongol lancèrent des raids pour causer des ravages au nord-ouest. Les rusés Ozen creusèrent des tunnels pour infiltrer les plus puissants forts Mogus. Les mystiques Jinyo communièrent avec les eaux de la région pour obtenir des aperçus du futur et dire aux forces de Kang où frapper et qu'enfuir.
Finalement, les armées de Laofei battirent en retraite dans le Val de l'Éternel Printemps, siège royal de l'Empire Mogu. Kang savait que cette terre enchantée pouvait assurer leur subsistance aussi longtemps qu'ils le désiraient. Pour vaincre les Mogu, les rebelles devaient donc s'exposer en lançant une attaque. Kang n'hésita pas à passer à l'action. Il mena personnellement la charge, frappant le cœur du Val. Il combattit Laofei à main nue et le vainquit, mais subit en retour des blessures mortelles. Le lieur d'esclaves et l'ancien esclave moururent ensemble. Enflammés par la victoire, certains des esclaves libérés songèrent à se venger des Mogu survivants et à les massacrer comme ceux-ci avaient massacré leurs vassaux pendant des millénaires. Cependant, un des étudiants les plus prometteurs de Kang apaisa leur soif de sang. Gardien secret de l'histoire pandarène, le pupille Song avait mémorisé la plus grande partie des contes et de la philosophie de Maître Kang. Song répéta sans relâche les histoires de Kang aux esclaves libérés, leur rappelant leur engagement pour la vraie justice et non la vengeance. Il arpenta l'Empire déchu d'un bout à l'autre durant le reste de sa vie, partageant la sagesse de Kang et incitant toutes les créatures à trouver l'équilibre émotionnel en elles-mêmes. Alors que les récits de Song se répandaient, d'autres commencèrent à marcher sur ses traces. De plus en plus de Pandaren traversaient le pays, relatant des histoires et favorisant la paix intérieure chez tous ceux qu'ils rencontraient. Ces chroniqueurs, comme ils finissaient par être appelés, devinrent des conteurs de talent et firent office de médiateurs dans les conflits. Ils étaient capables de désamorcer des situations tendues à l'aide d'allégories et de paraboles qui poussaient chaque camp à entendre raison et à trouver un terrain d'entente. Ainsi débuta une période de paix et de prospérité dans et autour du Val de l'Éternel Printemps. Les Pandaren ainsi que les autres races qui peuplaient cette zone prospérèrent. Un nouvel empire, cette fois bâti sur les principes de justice, de sagesse et de bienveillance, émergea pour veiller sur ce pays déchiré par la guerre. Et merci à toi d'avoir regardé. Et oui, c'est la fin. On se retrouve bientôt dans de nouvelles vidéos. En attendant, n'hésite pas à t'abonner et appuyer sur la petite cloche. Et tu peux aussi me suivre sur Instagram et sur mon site internet qui s'affiche juste en dessous.